Regardez bien les gars, et c'est très important parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui malheureusement, ils ont du mal à terminer leur mois, ils sont sur les réseaux sociaux, ils voient plein de personnes, plein d'influenceurs qui sont à Dubaï, qui sont ci, qui font du jet ski, qui sont là, les gars, moi j'étais comme vous avant, je galérais. Mais en fait, pourquoi ils ont une belle vie? Tout simplement parce qu'on les a payés pour vous arnaquer. On les a payés, on leur a donné de l'argent pour leur dire, regardez, vous avez une communauté, il y a des gens qui vous suivent. Eux, ils ont montré les chiffres. Regardez, Hashmi, il montre qu'ils lui ont proposé 500 000 euros. 500 000 euros, ça c'est juste pour rentrer. Tu t'imagines? C'est-à-dire, regarde, il voit Hashmi qu'il a une communauté. Il lui dit, écoute, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ramener ta communauté dans un lien Telegram, ok, un lien Telegram, où ils vont suivre. Mais en fait, quand vous allez suivre, vous allez passer par un lien. On va vous demander, allez, donne minimum 500 euros pour rentrer. Et quand tu vas rentrer tes 500 euros, tu vas commencer à suivre leur truc. Tu risques de perdre, quasiment c'est sûr que tu vas perdre. Mais en fait, eux, ils vont pas perdre, parce que quand tu vas tourner ton argent, tes 500 euros, bah eux, les gens qui sont affiliés, etc., ils vont percevoir de l'argent. Donc eux, ils sont totalement dans le gain. Eux, ils perdent rien. Ils perdent rien du tout. Ils sont dans le gain. Et tous les gens qui font rentrer et qui vont générer des pertes, etc., ils vont faire tourner de l'argent, et ben eux, ils ont un pourcentage. Regardez, même Balti. Nafé, c'est Balti là, son compte. Regardez, on m'a proposé 100 000 euros pour du trading il y a 2 ans quand j'étais à mon top sur Twitch. Voilà. Donc quand vous voyez des influenceurs qui essaient de vous faire croire, eh les gars, j'étais comme vous, je galérais, j'ai été intelligent, j'ai su comment faire du trading, c'est pas vrai. Ils sont devenus entre guillemets riches ou ils ont meilleure vie parce que déjà au premier abord, ils ont 100 000 euros d'entrée ou comme lui par exemple 500 000 euros. Enfin, lui, il n'a pas accepté le frère Hashmi. Hein. On lui a proposé. Et Alhamdoulilah, c'est quelqu'un. Parce que les gens qui acceptent ça, vous n'avez pas d'âme. Vous êtes là, vous vous enrichissez sur la perte de personnes qui ont espoir, qui ont confiance en vous, en fait. Ces gens qui vous suivent, ils vous trouvent marrant, etc. Et ils ont un peu confiance. Ils se disent, non, mais lui, il va pas me carotte quand même. Il a l'air bien. Il me parle gentiment. Bah, si, ils sont là pour vous carotte. Et regardez bien, même Balti le dit, honnêtement. T'es grave tenté de fou, mais alhamdoulilah, j'ai pas cédé. Donc, comprenez bien que vous allez jamais avoir la même vie que ces influenceurs. Pas du tout. Parce que ces influenceurs vivent justement avec ça là. Et en plus, grâce à vos pertes. À chaque fois que vous perdez, à chaque fois que vous utilisez de l'argent, que vous gagnez, que vous perdez, eux, ils gagnent. Donc, leur train de vie, ils vont l'avoir grâce à vous. Et vous allez descendre, perdre votre argent, vous endetter, parce que vous avez cru ces petits jeunes qui vous mentent.